Salut YouTube! La suite directe de ce qu'on a fait avant, donc c'est-à-dire la suite directe de ce qu'on a fait avant. C'est ce que je viens de dire, du coup ça n'a aucun sens. Bref, la suite. C'est parti! Oh, oui! Alors, que se passe-t-il? Je crois que nous avons réussi à chasser les brigands qui se cachaient à Garimark. Ah, mais il n'y a pas tout le monde, incroyable. Quelle chance que vos élèves soient retrouvés au monastère. C'est une promesse que nous avons faite au professeur il y a exactement 5 ans. Nous avons tous dit que nous retrouvions au monastère du Festival du Millénaire. Bien qu'un cicatrice de cette initiative soit absente à l'égard, je crois incroyable que nous soyons venus en dépit de ces circonstances. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que tu te sois réveillé à temps pour arriver ici. Je vois. Professeur, c'est grâce à vous, à votre enseignement, que vos élèves ont pu protéger le monastère. Je suis désormais convaincu que vous seul êtes capable de protéger Fodlan. Comptez sur moi! Yes! Ah, vous avez enfin réussi vos destinées. Le jour même où j'arrive à Garimark, vous vous réveillez et nous nous retrouvons. Ça peut pas être une coïncidence, la déesse nous a guidés. C'est quoi ta rue? Eh bien, ça sera plus simple si je vous montre. Hein. Suivez-moi, vos oeufs sacrés. Hein. Du fait de votre sommeil, vous ignorez toute la situation politique dans les différentes régions du continent. Je vais tout vous raconter. Après la bataille de Garimark, il y a eu un changement au régime du royaume. La maison Bladid a été massacrée. Dimitri et le régent Rufus faisant partie des victimes. La capitale du royaume est désormais aux mains de l'Empire, sous le nom du duché du Ferjus, et contrôlée par Cornelia. Cette faction résiste encore à l'Empire, désormais Rodrigue, seigneur du domaine de Fraldarius, et au centre de la réaction. Il existe dans l'Alliance une faction anti-impérialiste menée par Claude, une faction impérialiste menée par Lorenz. Il y a maintenant quelques mouvements de troupes, mais la guerre est globalement bloquée. En d'autres termes, l'Alliance et le Royaume ont tous les deux été en grande partie absorbés par l'Empire et sauvés et sont pas de sombrer. Nous devons rallier les généraux et les soldats sous votre commandement et renverser la situation. Incroyable! Incredible! Fred, regarde! Ah, oh, mais quel. Oh, professeur, c'est bon, vous? On n'arrive pas à croire que vous soyez en vie. Nous avons si peur de ne jamais vous voir. Que faites-vous ici? Putain, elle a pas changé d'un poil, quoi. Elle a pas changé d'un poil. Toujours le même vêtement, pareil, quoi. Oh, j'ai vu quelque chose d'important au Mausolée Sacré. Je dis à mon frère que je vais absolument y retourner pour les retrouver, alors me voilà. Nous étions ensuite censés repartir à la recherche de Rhea. Mais votre présence change tout, nous ne pouvons pas laisser passer cette chance. J'ai pas vu ces habits si vides. L'heure est venue pour l'ordre des céréales de reprendre le service, nous compterons sur vous, professeur. Eh oui, compte sur moi. Est-ce qu'il va y avoir un emploi du temps et tout ça encore ou pas? Ah non, du coup même le drapeau a changé, incroyable. Incroyable. Ah oui, tout a changé, c'est incroyable. Neige argentée. La protectrice, c'est un royaume, un roi sans royaume. A king without a kingdom. Ouais, je suis bilingue. Les anciens élèves de la classe de l'Aigle de Jet, s'étant désolés des aides de guerre, se battent désormais aux côtés de l'ordre des céréales. Ensemble, ils forment une armée rebelle qui espère assez puissante pour se mesurer à l'impératrice et à ses troupes. T'es d'où? Putain. Ils avaient pas d'inspiration, quoi. Pas deux paragraphes, hein. Un seul. Hein. Trois lignes, c'est bon, c'est réglé. Hein. Bravo des branlots. Hein. Ah mais du coup, mes jardinages, ça fait 5 ans que mon jardinage est dans la serre. Vous croyez qu'il y a encore mes fruits dedans? Ces unités ont évolué pendant 5 dernières années. Vous devriez consulter leur classe et leurs armes actuelles. Incroyable. On se retrouve dans là-dedans. Ah hein? Mais c'est Cyril à gauche? Mais qu'est-ce qu'il a grandi? Vous avez beaucoup de chance. Nous avons cherché partout, mais je vois que Dame Rhea n'est pas avec vous. C'est bien malheureux, professeur. Tout le monde était très inquiet pour vous. Cetès nous a informé de la situation. Vous pouvez désormais compter sur votre aide à tous.
Je suis heureux de constater que tout le monde est sain et sauf. Je suis nerveux de vous infliger ça de votre tour, mais j'aimerais m'entretenir avec vous. Suivez-moi, je vous prie. Come with me. Hors des chevaliers. Le temps est venu de lancer une autre offensive contre l'Empire. Nous devons gagner coûte que coûte, hein, évidemment. Le monastère de Karkmak est sur notre base. L'intérieur est un peu sans dessus dessous, mais ne devrait pas poser de problème. Les scélérats de l'Empire doivent avoir une vue sur cet endroit, ne vous voyez pas? L'emplacement est stratégique. Il est vrai que c'est un lieu d'importance, mais le monastère est éloigné des lignes de front impériales. En raison des difficultés de ravitaillement, ils n'y prennent certainement pas attention. Mais l'impératrice est des yeux partout, on peut pas être sûr qu'il y a au moins un espion. Qu'en pensez-vous, professeur? Je m'inquiète pour le ravitaillement, évidemment. Nos inquiétudes sont légitimes, cependant, la ville et les habos alentours sont toujours présents et l'église possède encore quelques maigres ressources. Alors, la Kessa, c'est de l'autre côté qui te parle. C'est pas... Bref. D'accord, mais en fait elle tourne la tête quand il faut pas. Bref, professeur, je pense que nous allons confier l'expansion de notre armée à mon frère. C'est un excellent négociateur et il parviendra sûrement à obtenir de tout ce que nous avons. Dans ce cas, j'ai une enquête, je vous prierai d'incorporer mes soldats à votre armée. La maison Aguirre a déjà tenté de défier l'Empire en représailles. Nos terres ont été vues confisquées. Par conséquent, mon armée est très réduite, mais les soldats qui me restent répondront à vos ordres. Je devrais sans doute vous dire que j'ai pris sous mon aide des enfants qui ont perdu leurs parents à la guerre. Ils sont en vide pour le moment, mais je pourrais peut-être les amener à un monastère. Je suis sûr qu'ils seraient ravis de vous assister au quotidien. Oui, je comprends, ce serait pas nécessaire. J'ai subtilisé quelques objets de valeur dans ma propre maison. Après tout, mon père s'est rangé du côté de l'Empire. C'est pas grand-chose, mais ça vaut. Ça me dit cul, yes. J'ai rien contre bien, mais je porte encore mes vieux vêtements. J'ai été tout seul pendant 5 ans, pas question que j'en doute de ma famille, ça jamais. Très bien, je m'occupe de tout. Je crains de devoir rien pour sauver Fodlan. Mais mes autres élèves, du coup, il m'en manquait pas mal. Ah, mais il y a des cours encore, mais qu'est-ce que c'est que cette quête? Pourquoi? Oh, encore des gens. Petra, oui! Je veux parler à Petra. Pour ça, vous inquiétez pas, j'ai travaillé un peu trop fort, mais j'ai perdu une de mes forces. Ça allait bien? Oui, problème, veuillez prendre mes excuses de vous. Pas de problème. Veuillez prendre mes excuses de vous inquiéter inutilement. Je vous demande pardon de m'être évanoui depuis un moment. Dans un moment tant important. Ma professeur, vous demandez beaucoup d'attention et de soins. Pourtant, il n'est pas demandé cela. Ah, oh, évite d'en faire trop. T'inquiète, tes potos. Ma, vous vous demandez d'écouter une chose que je vous dois dire? Putain, j'adore sa tenue civile. La tenue de son clan est hyper charmée. J'adore ça. Tant de couleurs, tant de... Bon, après, bon... Ah non, pas d'ombril à l'air, elle a un truc pas son ombril, mais bon, ok. Ma, vous savez désormais la raison pourquoi il s'est venu en Fedlan, y est quoi? Ce n'est pas pour les études, la raison est qu'il était en haute taille de l'Empire pour Brigitte. Pour que Brigitte ne fasse pas les révoltes contre l'Empire. Son deck? Merde. Moi, c'était comme un couteau sur ma gorge. Pour que mon grand-père suive les ordres de l'Empire. Si je fuis l'Empire, Brigitte va obtenir la défaite. Toutefois, ce n'est pas une possibilité pour moi. Moi, pour garder ma vie, je dois battre pour gagner. Ah oui, de base, je trouve hyper classe, moi. Je trouve hyper classe, hyper... Maintenant, elle a un petit côté raffiné, maintenant. Qui me déplaît pas, je vous avoue. Il doit me ratatiner l'Empire. Si je dois ratatiner l'Empire. Si Brigitte veut la survie, l'Empire doit rencontrer la destruction. Ma casse est le désir de mon peuple. Ayez le désir de roi Brigitte. Le roi de Brigitte. Le désir de mon grand-père. Vous devez prendre soin de vous pour réussir, évidemment. Prends soin de toi. Hein. C'est la vérité, mais que devrais-je faire? Je veux faire devenir réalité de désir de mon peuple. N'est-ce pas également mon désir? Un désir, c'est quelque chose qui vous est propre, hein. Calme-toi. Hein. Plus qu'à route. Bonne nuit, bonne soirée, bonne bringue, bonne branlette, tout. Salut. Mac est trouvé mon propre désir. Il comprend, en fait. Non, il ne comprend pas. Il comprend qu'il y a une chose qu'il ne comprend pas. Il comprendrait à la fin de la guerre. Ainsi va ma promesse. Mac, ici. Ah, merci, señoritas.
Soutien niveau A. Donc on retourne là. Stasia peut passer l'examen de niveau suprême. Consulter, oui. So suprême, yes. Certification suprême, yes. La caissa, yes. Je veux que tu sois fossoyeuse. Mais tu veux pas? Si tu veux. 32%. Aïe. Aïe, ça fait mal. Mais Beretta, tu peux pas. Tu peux pas encore. Et la Phoenix, incroyable. Oh, Phoenix, il a changé aussi, incroyable. Ah, Fonordelia. Du coup, c'est la famille qui a... Nicolas. Ça fait Nicolas. Ah, et Cyril, tain, je ne m'entendais pas à tant de changements. On dirait Caspar. Il va casser du cul maintenant. Genre, il va casser du cul en continu maintenant. C'est incroyable. Maître de la guerre. 71%, ça devrait aller. Hein. Vas-y, maître de la guerre. Quoi, il n'y arrive pas? 71% n'y arrive pas, mais quel connard, j'ai pas sauvegardé avant. J'ai pas sauvegardé avant, mais Nick, j'ai pas sauvegardé avant. Mais Nick! Sauvegarde automatique, oui, mais sauvegarde automatique, c'est ce que je viens de faire maintenant là. Au fichier 1, voilà, je sauvegarde un fichier 1. Nick. Ouais, voilà, super. Après, c'est juste les chapitres terminés, je peux juste avancer vite et c'est bon, quoi. Non, 71% il réussit pas, quoi, Nick. Nick. Voilà, quelle voix de merde. Quelle bonne voix de merde, c'est incroyable. Bref. Fou, bon. On s'amuse comme on peut pendant le chargement, hein, évidemment. En plus, un chargement inutile, vu qu'on va passer les dialogues. Donc, tu peux passer les dialogues, on s'en fout, hein. On a déjà vu. Ouais, super. Ouais, ça on l'a déjà vu par exemple. Par exemple, ça on l'a déjà vu, c'est ok. C'est ok tiers. Attention. Ok tiers. Voilà, Petra. Ah, c'est Caspar, du coup ça a changé. Nick. Et pour ça, quelque chose me retourne le cerveau. Vous vous rappelez de ces plus que j'ai coursé quand j'étais encore élève? Ça m'a valu de me faire engarder par un chevalier, mais sur le coup, j'avais vraiment... je pensais vraiment bien agir, avoir vraiment bien agi. Sauf que maintenant, avec l'expérience sur le champ de bataille, j'achète, le temps manque. Bref, les chevaliers ont rencontré des brigands au cours de leur patrouille. Le combat était rude, mais nous avons triomphé. Nos soldats sont pourtant bien entraînés, mais l'ennemi était particulièrement brutal et nous ne sommes pas à engager le combat. Nos troupes comptent sur un certain nombre de morts et de blessés. Mes condoléances, désolé. Merci, je viens néanmoins vous parler pour une raison. Vous vous rappelez de cette histoire il y a 5 ans à Garret Mag dans laquelle un individu suspect était impliqué? Ce brigand a arboré le même tatouage jusqu'à orphelon cet homme. Non. Je pensais que vous aimiez être au courant. Merci. Moi, tu arrêtes sur ce, j'ai affaire. C'est coïncidence, pas vrai, hein? Coïncidence? Fadaï. Il faut que ça arrive au moment où je parle de ce type. Ah, les brigands sont enfin atténués, donc c'est cool. Mais il y a des chevaliers qui ne s'en relèveront pas. Ils sont morts à cause de mon impulsivité il y a 5 ans, c'est ma faute. Si j'avais pas moufeté et qu'on l'avait traqué comme vous disiez, on aurait pu cramer ces brigands plus tôt et moi j'aurais pas eu les dents sur les mains. Mais il aurait peut-être resté les enfants, on sait pas ce qui serait passé. Ben, peut-être bien, mais probablement pas. Les chevaliers par contre sont bien morts. Ça sert à rien de le nier, c'est ma faute. Tiens, B. Ok, donc là on est de retour là. Sous suprême, on sauvegarde là. On sauvegarde là vraiment là. On sauvegarde vraiment là, c'est bon, c'est ok. Ah oui, ton soutien. Ouais, t'imagines bien que le soutien là, Lindart, machin.
Ouais, Petra, on vient de voir. Voilà, faut que j'aille. On va tout faire maintenant, hein, qu'on sera fait. De soutien ? On a un peu de soutien. Ah si, Bernetta et Petra, incroyable. Encore pas de pompe, peut-être. Un vermillon. Vermillon. Il y a de vos talents, c'est simplement suggéré de vermillon à pas du pour. Il y a plus de joueurs pour. Oh, c'est con. Ne regardez pas, s'il vous plaît. Non, ouais, c'est super lourd, ironiquement, le pauvre aura finalement fait un meilleur choix. La piste est fausse, niveau hôpital, il voudrait peut-être passer plus de temps. L'esquisse aura tout grand service, toutefois. Ah, au pire, mais erreur pédante. Vous avez un potentiel. Arrêtez, hein. J'ai une ratée, ton tableau est bon pour boucher la dette. T'as vu que j'étais le passant. J'ai envie de me taire. Ah. Ah, le tact. Et Petra, incroyable. J'ai besoin d'emprunter Mac et votre intelligence, vous êtes d'accord? Mon intelligence, à quel juste vous voulez. Je sais plusieurs animaux de que la Terre m'a donné comme cadeau. J'ai emprunté tous les prises d'un cuisine alors que j'ai. Si vous savez mon aide pour les DPC, j'ai mon temps refusé immédiatement, je suis pas dans la vie du temps. Bah non, castine pas ma demande, j'ai dépassé, nettoyé cela, j'ai déjà une grande appétit pour cela. Il donnait la gratitude, il y a plus de sang, il est sous-installé la peau rapidement, également il y a les bonnes et bonnes flèches. Il emportait la viande uniquement pour la cuisine. Ah, c'est heureux. Alors que voulez-vous de moi, je suis pas très bon cuisine non plus. Il y a projet de la fumée. C'est mieux pour conserver la grande quantité de viande dans longtemps. Mais il manque de bois pour le fumer, j'ai besoin d'un otage. Il est mal avisé de sortir à présent pour en ramasser la nuit et déjà tout noir. Quoi n'avez ou pas un ramasser demain, vous voyez mieux d'y dormir. La vie ne peut pas attendre, elle va se gâter. Il est souhaite que vous réfléchissiez à ce que j'y peux faire. Vous avez moi tant intelligence, aidez-moi s'il vous plaît. Eh bien, moins voir. Vous n'êtes pas facilement accessible à ces alternatives. Il me semble qu'on peut trouver de nombreux pupitres et de bons abandonnés dans la partie ruine du château. Tout ne peut être pas encore tout jeté, on pourrait essayer pour avoir truc, machin. Vraiment? Yes! Pas plus que là. Le fumage, j'ai l'autre chose qu'il me dit. Il doit dormir! Bon, très bien, mon truc est beau utilisé. Ça fait tant plaisir! Pas de meilleure personne pour que cela. Et donc, bon, ça sort ici, je vous prie. D'accord, je vais vous aider, super. Allez, Lindart, c'est bon, c'est Petra, tu peux l'aider, c'est bon. C'est ok d'hier. Oui, du coup, niveau A. D'accord. Dorothea, Ferdinand. Voilà, mais il boit pas une tasse de thé là, c'est pas pareil. Non, c'est non. Ah, rien de tel qu'une tasse de thé alors que la guerre fait rage pour vous mettre des bombes au cœur. Trouve pas, Bernetta? J'ai pas réfléchi avant, mais oui. Excellent! Oh, à ce propos, oui. Eh bien, j'ai dit, mes parents délibéraient pour arranger mon mariage avec une jeune dame. Une jeune personne qui quittait jamais sa chambre et passait son temps à confectionner des poupées destinées à maudire ses ennemis présumés. Ou du moins, ceux qui. C'est ce que prétendait la rumeur. Effrayé, j'ai signé mon refus à mes parents. Ce genre d'occupation est effectivement terrifiant, mais je peux comprendre cette raison de s'enfermer. Cette jeune femme, c'était vous, Bernetta? Une jeune fille de Maison Varley. Quoi? Ben, j'ai pas fait de poupée pour lancer une malédiction. Vous êtes une pourdeuse confirmée, n'est-ce pas? J'imagine que l'erreur vient de là. Vous vous fabriquez pas de poupée. En fait, si, mais elle est jolie, vous savez, des mignonnes petites. Des mignonnes petites plantes carnivores, ce genre de choses. Alors, j'ai un peu dû voir vos sujets. Pourquoi dites-vous ça? Les plantes carnivores sont adorables. Ah oui, c'est adorable, évidemment. Quoi qu'il en soit, si je vous avais connu à l'époque, j'aurais accepté un ravissement. Gabut, vous avez prouvé manigance, j'imagine. Du manigance, je veux seulement vous dire qu'à présent, je vous connais. Ce projet m'aurait convenu. Vous dire qu'avec moi? J'ai chaud de sa couleur, vous avez profité. Tout ça du passé, si longtemps. Oui, nous sommes des camarades de combat, luttant pour l'objectif commun, n'est-ce pas? Et mes parents ne sont plus de ce monde, les arrangements qu'ils avaient à l'abandon n'ont plus de valeur. Vraiment? Réfléchis, si nous avons été fiancés, comment nous avons pu bâtir cette fraternité au combat? C'est vrai, nous n'aurons jamais pu devenir aussi bons amis.
Je sais que nous aurions dû résoudre un choix des parents, un cousin de montage. Ouais, je suis heureux d'avoir pu Esper. J'aurais jamais fait. Ouais, Esper. Dans notre congé, j'espère bientôt l'occasion de boire un autre thé en compagnie. Esper. Oui, à bientôt, bientôt, Esper. Moi aussi, je suis heureuse que nous soyons rencontrés ici. Bon, elle est toute contente. Bah, toute contente là. Beretta, tout ça, bref. Mais Ferdinand, ce tombeur, il tombe toutes les femmes, incroyable. Dante, je m'entendais guère à vous voir ici, et j'ignorais que vous étiez un chat truc. Là-dessus, je peux guère vous contredire, Ferdi. On peut pas dire que je sois une dévote. Après tout, c'est la déesse. C'est la déesse que son. Et à son miraculeux régime aristocratique que je dois d'avoir souffert, autant souffert. Un jour, j'arriverai à lire, hein, c'est promis. Hein. Bon, pas maintenant, parce qu'il est tard, mais donc, voilà quoi. J'aurais jamais cru qu'on puisse avoir la témérité de profiter de tels blasphèmes sous ces voûtes sacrées. Mais de quelle souffrance s'agit-il? Et pour maintenant que je vous le dise, très bien, vous avez gagné, vous savez probablement que je suis orpheline. J'ai vécu dans les rues de l'Ambar, réduite à la mendicité, dévorant les restes à même la pavé et buvant l'eau croupie. Je comprends, j'ai croisé souvent en chemin des enfants de rue. La mort était à ma porte, puis la bonne personne m'entendit chanter. Soudain, je chantais l'opéra. J'étais devenue une grande chanteuse à la noblesse adorée. Ils sont soudain mis à faire l'éloge de ma voix et de mon apparence, après avoir craché sur le tirade des villes qui voyaient en moi. Même les aristocrates qui me poussaient dans le caniveau se sont mis à offrir des luxueuses chaussures, ça aurait été presque risible. Donc pour ça que vous affichiez un tel mépris pour la noblesse, mais pourquoi pensez-vous que je suis comme eux? Si vous réellement que je suis ainsi, changer si promptement de regard sur les gens pour une simple raison d'apparence, je ne vois nulle noblesse dans un tel comportement. Oh vraiment? Vous n'êtes pas comme eux? C'est pas ce que je me souviens. Ça remonte au jour où je suis devenue chanteuse. J'étais folle de joie, tout allait bien dans le meilleur du monde. Je me suis secrètement immergé dans les fontaines des villes pour me débarrasser de la crasse des rues. Je me suis remise à chanter dans la même chanson que le compositeur d'opéra avait entendu plus tôt dans la journée. C'est là que vous êtes apparu. Moi? Non, c'est erreur. Ne vous prenez pas pour une idiote. Vous m'avez lancé un regard mauvais, puis vous avez disparu. Parce que nous nous sommes croisés à l'académie, vous n'étiez plus de même. Affable, souriant, amical. À l'académie, vous étiez comme une abeille devant une fleur qui vient décolore. C'est donc vous qui chantiez. C'est malentendu, ce jour-là, je vous ai vu, j'ai littéralement captivé. J'ai entendu votre magnifique voix et admire votre faiblesse, votre finesse des traits, vos traits. Le soleil qui filtrait à travers les gouttes, on aurait dit une nymphe. Non, vous mentez. La stricte vérité, je n'étais qu'un enfant, ce spectacle m'a bouleversé, c'est pour ça que j'ai pris la fuite. J'ai ensuite rassemblé mon courage, je suis revenu sur mes pas et vous n'étiez plus là. J'ai cru que j'avais rêvé. Peut-être il y a un fond de vérité, je ne peux pas croire que vous ayez préparé ces biscuits. Ouais, j'ai eu le sentiment que vous n'étiez pas comme les autres hommes, mais il m'a été difficile de l'admettre. Je comprends, je suis bien aise que nous ayons pu régler ce malentendu. Et vous savez, vous pouvez continuer à me voir comme une abeille, hein. Disons comme un faux bourdon. Orbitant, machin, j'ai pas trouvé le temps de lire parce que j'ai habité sur un comme un connard. Vous pouvez me protéger la reine des assauts, les autres vermines. Incroyable. Ok. Donc il manque plus que les trucs avec la Kessa. Ok. Encore d'autres? Attends. Ah non, il n'y a pas d'autres élèves. Ah oui, d'accord, il n'y a personne d'autre. Ah oui, donc si j'avais pas rencontré Félix et... Ah oui, d'accord. D'accord. Du coup, je dis Cyril aussi, guerrier, ok. Oui, donc on va se regarder du coup, parce que j'ai fait tous les trucs, donc au bout d'un moment, j'ai pas envie de les refaire. Ça m'emmerde. Les certificats, bon. Petra niveau 34, tu peux dire quoi? Suprême et suprême rien? Ah, mais faut qu'elle soit science, quoi. Nick. Ouais, c'est bien de la merde. Ouais, faudrait que j'ai science, quoi. Mais non, j'ai pas envie, quoi. Nul. Et si je veux de l'épée? Aérien. J'ai pas envie qu'elle soit aérienne, moi. J'ai envie qu'elle soit... Ou alors, je te change pour assassin.
Ah ouais, t'as pas encore fait ton truc moteur. Merde. Donc Caspar, du coup, c'est mort, c'est ça? 71% c'est mort, on tape sur ça, on tape sur de la merde. Ah non, c'est bon. Yes. J'ai niqué le truc, j'ai niqué le game. Oh yeah, oh yeah. Quoique, je sais pas en vrai. Attends. Inventaire classe. Ah bah toi j'étais pas à fond. Ouais, attaque plus 5, ouais, ok. Ah oui, de toute façon t'as rien, oui d'accord, donc non on s'en fout quoi. C'est pas grave, c'était pas au max, donc, est-ce que t'as beaucoup à mettre? Ah t'as beaucoup à mettre quand même. Mets-toi batailleur. On va essayer de faire des combats pendant ce mois-ci. Parce que je pense que c'est le dernier mois par contre, là on va pas se mentir. Les objectifs, ils sont tous à fond? Non, ils sont pas tous à fond. Je pourrais juste me reposer, mais non. Mais non, je ne ferai pas ça. On va essayer d'apprendre à fond la science. Ça va être quelque chose d'incroyable. Oh, quartier libre. Ferdinand, allons-y. Yeah, peu feu. Dans les plusieurs que d'habitude, non? Ouais, il faut mater. Le garde continue d'enchaîner les triomphes sans interruption. Il y a sa cadette cela, elle est montée sur le trône, balayant l'ancienne noblesse corrompue parmi lequel figurait mon père. Toujours cru que sa tâche me reviendrait, c'est elle pourtant qui s'en est acquittée. Comme une incivision de broutille. Elle a interdit à mon père de quitter la demeure, elle a dépouillé la maison Aegir de son pouvoir. J'ai refusé d'être son pantin et j'ai préféré partir. Je me bats désormais pour renverser l'Empire. Je suis conscient qu'un gouffre béant nous sépare, elle égare et moi. Elle avance envers contre tout, sans un doute, sans une distraction. Mais que me reste-t-il à moi? Regardez-moi, gesticuler sans me rendre nulle part, sans être utile à quoi que ce soit. Bah c'est fort, hein? Calme-toi, hein? Non, c'est arrêté. Depuis l'académie des officiers, je n'ai jamais surpassé les gars, pas une seule fois. Je la considérais comme une adversaire de valeur, tandis qu'elle ne voyait que moi qu'un valet. Je n'existais pas à ses yeux. Je suis à la tête de la maison Aegir, il est impératif que je tienne des résultats. Mais tous mes efforts sont en verre et vain. Seul compte les résultats, ne pouvant me prévaloir aucun, machin. But c'est le chemin, évidemment. Est-ce que vous gardez un œil sur mes progrès? Ouais, super. Le pire, c'est que du coup, il y a 5 ans, j'étais. La Kessa était. Avait le même âge qu'eux. Du coup, là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, là, ils ont plus. Enfin, ils ont 5 ans plus, quoi. Tournée d'épéiste. Bah, Petra. Petra quoi. 29 ou plus, elle est 34. Elle vous nique tous. Ouais, non mais épée argent plus, non, ça m'intéresse pas. M'intéresse pas plus que ça, hein. Du coup, il y a des travaux partout, incroyable. La pêche au colosse. Nouvelle arme disponible dans l'armurerie. Les escouades, yes.
Les pirates du Nord. Ouais, ouais. I could use a hand. T'es qu'à tes potos, je vais faire des quêtes. Hein. C'est terrible! I need a favor. Je vais sous des quêtes, hein. À la foutre. Il y en a un à droite, mais il y en a tout droit là. Ah, les marchands. Toi. T'es à la pomme! Ah oui, non, mais c'est pas ça que je voulais. La quête, c'était la pomme, super. Tu vois, il y en a que t'es fatriche, quoi. Hello there. D'accord. Return soon, please. Hey, welcome. Quand t'es crème de café, je veux du café incroyable. Mais j'en ai rien à foutre. Yes. T'as quoi comme nouvelle arme? On peut savoir. Épée héros. Lance héros. Cabalus. Lâche héros. Ouais, gantelet tu fais. Ah non, gantelet, que des gantelets, non, ok. Ok. Come back soon. Ah oui, la pêche. Dorothée peut raconter des choses, incroyable. Exercice avancé. Oh, ça sent beaucoup trop bien. Oh, les élèves peuvent apprendre des trucs incroyables. Attraper le colosse, la poisson mystérieuse légendaire, attends. C'est après ton coup, tu vas voir. Sa mort! Ah mon dieu! Un gros poisson! Un énorme poisson! Il est énorme! Ouais, c'est cool! Poisson divin. Ça prend, je suis loin d'être en A en truc, en apprentissage, c'est nul. Nul à Yesh, c'est nul à la Yesh, truc blanc, c'est nul. Ouais, ça mord. Ah, moyen truc, hein. Lol, j'ai fait qu'un bien à la fin. Ouais, ben merde. Ah, c'est bon. You've done me a great service. Ben, c'est ok. Okay. Ouais, j'ai des trucs que j'ai récupéré il y a 10 000 ans, c'est ok. Ouais, je prends des trucs 100%, je viens les chercher. Hein. Ouais, du. Super. Donc, du coup, il y a aussi. Ah putain. Donc, du coup, toi, tu peux m'apprendre rien, on s'en fout. Ah, mon petit paradis aux idées. Bonjour, c'est bien vous. Oui, très bien, hein. Ah, bien ce que j'ai dit. Ouais, du coup, non. Ça m'intéresse pas, c'est dommage. Ah, et puis, faut que j'aille voir les... Oh là là. Félix, puis on... Ah. Là, il y a un objet. Ah oui, et puis les... Oh là là. Tant de choses à faire. Les statues. Les statues. Oh, c'est pas ça que je vais faire. Il y a encore lui là-bas ? Incroyable. La région de Garema s'est entourée de nature, mais quand même... En effet, c'est différent de Brigitte. C'est très difficile de savoir qui t'es alors qu'il n'y a plus personne dans l'école.
difficile à savoir. Objet. Ah, oh, super. J'ai que 1200, merde. Impulsion divine, on va peut-être se caser. Aérien. Ah, j'ai personne en aérien, c'est vrai. Oh, ma lance. This one? You're all set. See you again soon. Ouais. Ah, lycée, gna gna. Lycée, je sais pas quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais on... Ah, Lindart, bonsoir. Bien prononcé les trucs? Après, on se retrouve de ça. Ouais, super. C'est avancé. Entraîne-moi, s'il te plaît. Pareil, toi là-bas. Entraîne-moi. Quel est donc cet objectif? Oui, à bas l'Empire. Ouais. Allez hop, c'est plus. Caius, c'est plus. C'est incroyable. Ah bah non, du coup, y'a plus rien. Ah bah toi, je m'en fous, toi. Je m'en fous de Cyril. Je m'en bats les couilles de Cyril. Apprenez-moi la magie. Nous pouvons en parler, hein, si vous voulez. Juste un bien, Nick. C'est-à-dire qu'il faut que je sois A, quoi. Bordel de cul. Nick. Ah, j'ai une quête ici aussi. Nous on trouve quoi qu'il en coûte, hein. Super. Toi, je m'en fous. Je peux apprendre. Rassemble les provisions nécessaires et livrer-les. Je dois aller pour ça, mais c'est ok. Permets-toi d'aller à gauche, s'il te plaît. C'est pas mal. Ok. Flayne, tu peux apprendre des trucs aussi. Ce serait pas mal. Professeur, no matter anything you ask. Nick. Va prendre la lance alors que non. On fout la lance. Allez, cours, petit furet, cours. Hello. Oh, good. Thanks. Ouais, rassembler les provisions nécessaires, mais ouf. C'est quoi cette quête? Un fruit d'un dos, une deux volailles. Hey, volaille. You have a good eye. Non mais non, Nick. Mais... Merci. Mais arrête de bouger, j'en ai marre. Come again. Hello there. Mais sont où tes fruits de ces morts? Return soon, please. Nick, Nick, Nick. Ah oui, du coup. Ah oui, tous les trucs que je dois faire là-bas. Non, oui. Allons là-bas. Bonjour toi. Attends. T'as une de ces classes toi, donc? Ouais, tu vas prendre le point ou lâche quoi. Enfin, truc dont je m'en fous un peu, c'est dommage. C'est fort dommage. Bernetta!
J'ai pas à croire que je suis parti de chez moi depuis si longtemps. Enfin, on m'a forcé à partir de chez moi depuis si longtemps. Ça fait 5 ans. C'était vraiment plutôt étrange. Vous voulez retourner chez vous? Oui, c'est vrai. Nul. Non, pas du tout. Si vous m'aviez posé ces questions il y a 5 ans, je vous aurais dit tout l'inverse. J'ai des amis ici, et vous aussi. Le monastère est devenu ma deuxième maison. Si on m'avait dit que je vais finir par éprouver ça, je suis heureuse, hein. Mais c'est grâce à vous, vous m'avez donné gros la vie. Sans vous, j'aurais jamais réussi à quitter ma chambre de plein gré. Je ne parle même pas du monastère. Le champ de bataille a peut-être émoussé mes sens. Mais il est vrai que je me débrouille bien mieux avec des inconnus dans les nouveaux endroits. Je n'ai pas dit plus autant qu'avant. Ouais. En temps connu, toute seule, sans personne. Ça sent difficile. Et pourquoi devrais-je faire ça tout d'un coup? Ah mais attendez un peu. Vous moquez de moi, c'est ça? Ne sentez pas comme ça avec moi. Est-ce que vous m'aujourd'hui? Allons, tout va bien se passer. T'es qu'à tes poteaux. Vous me prenez pas au sérieux? Arrêtez de me taquiner maintenant. Promettez-moi de plus recommencer. Une amie se doit de respecter la volonté de l'autre, hein, pas vrai? D'accord, je vous promets. T'es qu'à tes poteaux. Vous êtes formellement de m'envoyer où que ce soit toute seule, hein, compris? Vous venez avec moi, hein, avec vous, moi je peux aller au bout du monde. Je vous suivrai de loin. Mais non, ça marchera pas, pourquoi vous n'écoutez pas? Bon, j'ai besoin de ça tout seul, hein, c'est bon. Incroyable. Ah, du coup, ça augmente tout seul leur motivation, c'est incroyable. Du coup, j'ai pas besoin d'être motivé moi-même. Mais arrête de bugger, sale... Nul. Sale truc nul. Au nord de ça. Trop... Ah là, un truc arrive, non? C'est pas ça? D'accord, j'ai loupé l'encoche. Ah, il y a un petit bar-restaurant incroyable avec Petra. Oui, la Petra, on l'a déjà vu quoi. C'est bon, tu as déjà vu Petra, c'est bon. C'est ok. Il me reste ici. Nord-est. Et nord-est, c'est par là. Par là. Par ici. Oui, je souhaite parler à Dorothea. Ça va sûrement vous paraître soudain, mais je tiens à vous remercier, professeur. Pour me permettre de vivre ma vie comme j'entends. Et j'ai remarqué que vous lanciez moins de regards lourds de sens ces derniers temps. J'ai l'impression que vous fassiez l'effort de ne pas vous préoccuper d'avec qui je passe mon temps. En fait, tu fais ce que tu veux de base, hein, moi, j'ai rien à foutre, hein, c'est le personnage qui voulait ça. Vous en rendez compte? Bien évidemment. Pensez-vous que j'en remarquerai pas? C'est plutôt mignon d'une certaine façon. Professeur, puis-je vous raconter une histoire de ma jeunesse? Je sais que j'étais folie de vivant dans les ruelles d'Ambar jusqu'au jour où quelqu'un m'a entendu chanter. Ouais, c'est ça. C'est fait. J'étais des nobles, j'ai rencontré toutes sortes de gens, mais aucun d'entre eux ne me connaissait vraiment. Je sais que la jolie fille qui savait chanter, une belle créature admirée. Même si tout le monde me complimentait pour mon apparence et pour ma voix, et me courait de présent, je savais qu'un jour je serais vieille, ma beauté s'estomperait et ma voix changerait. Je ne pourrais plus chanter comme je faisais alors. Alors j'ai commencé à me demander quand ce jour arriverait, que sera-t-il? Je connais la réponse. Je serai vieille seule de retour dans les rues de la capitale, là où tout a commencé. Je ne vous laisserai pas seule. Non. Tentez-vous de me soutenir. Bon, on verra, oui. Je ne possédais rien du tout, et j'avais toujours peur qu'un jour ce soit nouveau le cas. C'est pourquoi j'ai passé à chercher quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui ignore toute la chanteuse et qui soit capable d'aimer une femme qui irait autrefois dans la capitale rouille effrayée. Je me demande si cette personne si étrange peut seulement exister. Elle est comme Laurie, elle cherche des câlins, des poutous, des bisous partout, tout ça. Elle a besoin d'amour, c'est ça. Elle a besoin d'amour! Putain, je suis arrêté de chanter tout de suite, j'ai arrêté tout de suite. Ok, donc il y a besoin de manger avec des élèves. Et c'est parti! Plat du jour! Non, tu vas te bugger. Arrête de bugger, tu me fais chier! Merci. Non, putain, nique.
T'aurais suivi ça. Je pense que c'est moi qui vous aimeriez. De rien, vous deux. Plaisir. Donc plein. Pas plein, mais je m'en bats les couilles. Plein, ok. Ok. Qui je peux apprendre la magie du coup? Non, plus personne du coup. Ah, ça va se compliquer quoi. Bon, on va manger avec les élèves pour que ça fasse de l'XP pour. Au niveau d'enseignant quoi, super. Et ben Ferdinand et voilà. Lisez, je sais pas quoi, lisez Tia, je sais pas quoi. Non mais après on va déguiser, oui, on s'en fout, je peux dire ça. C'est ok. Mon niveau d'enseignant, oui, il augmente. Il augmente si fort, si bien, si haut. Tiens, Kaspar et Petra ensemble, ça va mal, en vrai. Enfin, en combat, je veux dire. En duo, en combat, ça va mal. Allons-y. Poète. Ah bah, c'est sur menu, là. Autant que faire se peut, hein. Ah oui, ça a changé, là. Ah oui, ça a beaucoup changé, là. Je veux dire, si on est toujours être dans la classe et tout, non. C'est bon, ça a bien changé, c'est bien. Bravo. Bravo le jeu. Qui aurait besoin A plus, incroyable. Cavalière. C'est quoi, si tu peux être cavalière plus. Yes. Et l'arc. Oui, c'est bien. Voilà, c'est bien. Ah, parfait. Dorothea. Ouais, peut-être entraîner un peu la magie blanche. Ouais, c'est un conseil de guerre, c'est ça. Pas mal comme niveau. Petra, ah Petra A+. Si tu peux être A+, en arme, en épée. Ça serait génial. Tu le seras. Je te fais confiance. Kaspar machin. Ouais. Le cheval, hein. Si je peux t'avoir toi en cheval. Ah, il en reste encore un truc. J'avais pas envie. Oui, du coup, je vais. Objectif. Ferdinand. Personnalisé, donc. Lance et. Cavalerie. Ça sera cool. Yo, combien du coup, cavalerie. Parfait. Ferdinand et. Beretta. C'est incroyable. Ah, Flayne. Oh, B+. Son petit côté A. Oui, c'est bien. Yes. Allô.
Halo. C'est Diego Picasso. Qu'est-ce que tu fais du coup avec le Halo? Magie de lumière au plus haut niveau, soigne des alliés à portée. Magie divisée par 4. Deux utilisations. Incroyable. Pas mal le Halo, hein. J'aime ça. Ouais, Lindart. Tell me. Vas-y, augmente. Vas-y, augmente. It is a long... Mais c'est ok. Et on commence la semaine. Question que vous posez, je veux. La guerre est d'une durée forte et longue et la qualité de la flèche diminue. Elle vole moins loin et bouge moins hors cible. Oui, très pratique, Lalo, je te confirme. J'ai besoin de savoir une solution. Prêtez-moi une solution pour ça. Cachez vous pour autant de mieux viser. Ok. Ouais, si tu veux. Pas grand chose de fou de toi, désolé. Désolé, Lisetia, je sais pas quoi. Qui est pas ça? Hein, elle veut me parler? Incroyable. Ah, ça va faire mon entraînement. Bah, t'as que plaisir, hein, t'inquiète pas tôt. Vous êtes me sont précieux, ouais. Vous avez une grande détermination, hein. Bah oui, tu travailles dur. Bah oui. Oh, désolé, j'en ai rien à foutre. Soutien B, c'est super. Je suis hyper content. Alors là, hyper, quoi. du coup, le cheval, c'est génial. Des écus, des trucs, super. Yes. J'en ai un fou de vous derrière, hein. Ouais, j'assiste. Évidemment, j'assiste, évidemment. Pourquoi chanter avec lui? Je m'en fous de lui. J'en ai rien à battre de lui, moi. Nick. On va faire du combat parce que je dois entraîner des unités. Pour qu'elles puissent avoir le certificat, genre toi et moi. M'entraîner moi pour avoir. Pouvoir être fossoyeur à 52%. Oh, une fois sur suprême. Marché, magasin, acheter. Au combat. C'est super. Limité à 5. J'achète les 5. Ah non, je peux pas acheter les 5. Oh, c'est cher sa race. Mais j'ai des trucs à vendre. Attends, j'ai des trucs à vendre. Le trésor là. Genre ça en vend. Le trésor là, on le vend aussi. C'est incroyable. Machin, trésor, on vend. Vous avez plein de soins avancés, c'est cool les mecs, hein, mais j'en ai rien à foutre. Je ferai pas avancer, j'en ai rien à foutre. Encore un trésor. Plan 4, incroyable. J'ai tant de choses à donner aux, à mes élèves, incroyable. Ok. Bon, dans tous les cas, je sauvegarde. Oh, j'ai encore des soutiens, merde! Ah, mais vous, mais non! Nick. Voilà. J'ai même pas envie de voir. Certificat, moi.
Enfin, la Kessa. Suprême. Fossoyeur à 52%, ça devrait aller, non? Nick, ça va pas. Échec! Ouais, tu ferais mieux, ouais. Tu ferais mieux de faire mieux, ouais. Connasse. Ça marchait pas, le reset. Mais arrête de bouger. Non, arrête de bouger! Putain. Les Joy-Con, c'est vraiment de la merde, hein. Je sais pas ce qu'il faut pour réparer ça, mais c'est chiant. Hein. Très, très très chiant. Très 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 chiant. Mais je leur donne de l'amour. Mais pas assez, parce que j'en ai rien à foutre des autres persos. Moi je veux ma classe et c'est tout. Ma classe d'élite, évidemment. Bon après il faudrait Félix tout ça, mais je... Merde. Merde. Niveau certificat, oui, non, non, oui, non, oui, Caspar, il a déjà fait. Ah oui, Petra, tu peux rien faire du coup. Ah oui, c'est vrai que t'es, oui, tu vas devenir assassin après. Ah mais l'assassin, c'est sa tenue de base, incroyable. Ah mais l'assassin, c'est sa tenue de base. Ouais, il bouge au sol depuis un moment en fait. Depuis que je voulais faire Zelda Breath of the Wild, j'ai rage quitte le jeu à cause de ça une fois. C'était horrible. Horrible. Donc Dorothée après va devenir 100%, elle va devenir 80%. Ah, pas assez de fois, hein. Ah, dommage que... Dommage, 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 mais c'est pas grave. C'est ok. Donc bataille. Ça. On va voir ce qu'il y a. Du WD? Je sais même pas ce que c'est. Sous le stick? Genre il faudrait que... Je sais pas. J'ai pas trop envie de faire le con. Après je pourrais juste dévisser quoi. Dévisser, on dévisse tout, puis on voit tout. Mais ça m'étonnerait que j'y arrive parce que j'ai deux mains gauches. Moi en bricolage, je suis une merde, hein. C'est une horreur. Ich bin eine Horror. Ah, du lubrifiant? Ah, du lubrifiant. Carte, alors du coup, le gros méchant. Ah, ben voilà. Hache rouillée. La haute claire. On va peut-être la prendre celle-là. Ah, mais il y a plein de trucs que je veux pas ici, là. Nick. Attends. Unité. Ben toi, je te veux pas. Toi, je te veux pas. Toi, je te veux pas. Toi, ok. Ah ouais, du coup il manque deux élèves, du coup forcément faut que je l'entraîne quoi, ceux-là maintenant quoi. Oh là là. Bon ok. Objet, inventaire. On va faire en sorte que toi tu puisses au moins attaquer vite. Il y a une autre vitesse. Vitesse plus 2. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Toi, qu'est-ce que je pourrais te passer? IQ acide. Ok, d'accord. Je verrai ça après. Après, j'ai pas de lubrifiant sur moi, hein. Désolé, hein. Je ne pratique pas ce genre de truc. Désolé. Ouais, tu vas toquer à la magie, toi, c'est sûr. Magie. Ah oui, t'as la hache d'une canval. Change avec toi. Ouais, c'est niveau A. Et t'es niveau quoi?
niveau ouais, C quoi, non? Non, c'est niveau B. Ah, même pas B+. Ah oui, on est loin. On est loin de tout ça, hein. D'ailleurs, pas de coffre, d'ailleurs, du coup. Par contre, ça, pas de coffre. Trésor de Kellogg's. Non, rien. Ok. Ok. Non, ça devrait aller. Après des nouveaux squads, peut-être que. Peut-être les. Ouais, ouais, quand... toi t'as pas changé par contre, hein, connasse. Ouais, régionnons tout, hein. On régène tout, hein. On sauvegarde et puis on y va. Non, je vais pas y aller tout de suite. Carte. Non, on va essayer de la tirer là. Toi, toi, ok. Ok, merci, Alec. Je verrai ça après. Maintenant, j'ai les messages aussi sur mon portable, partout. Merci beaucoup. Ok, on va faire ça. Ah oui, donc voilà. Toi. Pareil, faut que je m'entende à la truc. Ok, on va essayer de faire ça. On va essayer de s'entraîner à fond. Ça va être pas mal. Zbru! La fois j'arrive à le tuer celui-là. Ah, mais après je suis tellement dans la merde. Attaque feu. Ah si je fais ça, écho magie de feu. Je tabasse, c'est bien. Ah oui d'accord, mais c'est un truc de zone du coup, je suis con. Je suis con d'avoir fait ça, parce que du coup à côté ils sont pas attaqués. Du coup c'est de la merde. Du coup je fais que de la merde, super, super Michel. Bah ouais mais oui, on s'en fout quoi. Ouais voilà, c'est juste à côté quoi. Ah par contre le feu reste. Ah ouais, du coup non, on va pas... Voilà, on va pas faire ça du coup. Si vous attaquez, vous attaquez combien? Ouais, ça fait beaucoup. Mais toi, faut que je te batte. Toi, faut que je te batte celui de gauche. Il faut que je te batte celui de gauche, comme ça, c'est fait. Hein, fulgurante, comme ça, c'est pas chier. Voilà! Nick! It was meant to be. Let's make this quick. Attaque feu. Mias. Juste feu, hein. Ha! It's done. Ok, le même niveau, c'est ok. Du coup, il est mort? Ah, du coup, il est mort. Incroyable. Onward. Ouais non, je vais faire danser mais c'est compliqué parce qu'après il y a des gens, des connards après. Hein. Là comprends que tu danses. Je vais même pas aller dans les fourrés quoi. Tu mets quoi comme objet du coup? Ah j'ai une vitesse. En tout cas, bonsoir, vous allez là-bas. C'est sûr, certain.
C'est sûr, certain. Et vous, par contre, vous pouvez bien là-haut. Ça te fait un plus de défense, tout ça. C'est ok. On se dit ok. Et toi. Si tu m'attaques, tu fais combien, toi? Ah ouais! Ah ouais, 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 ouais. C'est compliqué. Ah non, je vais rester là, hein. C'est con, mais ouais. Oh, raté! Critique en plus! Incroyable! 99! Critique! Critique aussi. Critique à 120. Yes! En 7, tu me touches, connard. Zbula, Zbulu. Ah, mais il y a merde, il y a Connerman avec. Merde. Fun tactique, genre tu attaques tout. Si tu attaques tout là. Bonus tactique. Put the plan into action. Spell, 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 spell. Tu pètes tout ou pas? J'ai pas tout pété, Nick. Mais pour moi c'est ok. Feu. Yeah, c'est juste people, pas assez de trucs. Après, c'est le roi des bêtes, hein. C'est pas n'importe qui, hein. Effectivement. Tactique. Ouais, non, fait du deck sur qu'un, quoi. Allez, pas. Ça va suffire. Attaque foudre là. Il est pas tout pété, Nick. Nick, on lui pète tout. Faire un critique, hein, ça te dérange pas, hein. Mais tu m'attaques? Mais comment ça tu m'attaques? Mais Nani. Ah oh, bah d'un coup ça est... Ah si, noir, parfait. Ok. Ah, c'est vraiment une attaque mortelle, quoi. Tu peux me plaire, hein, on va pas se mentir, tu peux me plaire, hein. Mais après, faut que je monte sa vitesse, parce que là, c'est horrible, quoi. Apologies. Sa vitesse, elle est à 22 pourtant, avec un boost et tout. Ah, mais elle est à autant que... Putain, on dirait pas. C'est incroyable. Ah mais oui, t'es encore vivant, je suis con. T'es con. Feu. Bah moi je chute pas apparemment. Bah c'est vrai qu'avec un sort feu, oui je suis d'accord que bon, oui c'est pas mal. Voilà 21. 21 donc 23. T'as une capacité? T'as méditation, incroyable. Ça c'est incroyable ça. Ça c'est bon ça.
Shut the fuck. Yes. B plus. Raté. Yes. Attaque Ball Ganon dans ta gueule. Moi j'entraîne juste ma Lakessa à la magie, hein. J'en ai rien à foutre, hein. Moi j'ai juste de l'avoir aussi, donc bon, voilà quoi. Moi j'ai juste de l'avoir il y a 5 ans quoi, mais la dernière mission quoi. Ah mais c'est encore une vie. Oh mais c'est incroyable. Ah mais c'est vrai, c'est un vrai monstre. C'est incroyable. On va être 36 x 2 par contre, oui ok c'est... C'est aucune chance quoi. Ah oui critique en plus, c'est super pas. Ça sent la fin, oui non. C'est oui c'est la fin mais c'est de l'avant-fin. Je pense que la bataille finale c'est bientôt là. Oh, stellaire. Unbelievable. Ouais là je suis rouillé, je le mets au coin. Ah mais du coup tu l'as pas du tout le stellaire pour ça. Si tu as le stellaire, moins 9. Attaque spéciale 5 fois réduit à 30% spécifique là... Yes, bah c'est pas mal. Attaque 5 fois, je suis preneur. Pas se mentir. Support, non pas support, danse. C'est con que la danse soit pas dans le support en vrai. C'est en même temps très chiant ouais. Thanks. Épée faire, ouais, épée faire mal quoi. Raté. You haven't earned my pity. Magie, super. Merci, merci, merci beaucoup. 37 x 2, c'est ok. Critique dans ta gueule. 111, bonsoir. Bonsoir. I could learn from that. Devant histoire de protéger que dalle, mais on va protéger quand même. Monkey? Ah bon. Vous. Vous ici. Raté. Ah du coup c'était un truc spécial stellaire du coup c'est ça. Attends. Ah c'est ça ton truc, c'est cool. Le stellaire. D'accord, je viens de comprendre le stellaire. C'est un truc spécial des broteurs. Du coup je pourrais la mettre assassin. Et c'est cool. C'est énormément cool. Miasme. Blue, one shot, bonsoir. Ni. I will not die yet. En tout cas, ça augmente bien, hein. Pas mal, hein. Ah là-bas, je pourrais faire mon truc de feu, là. Et là, on va être bien. Ou pas, je ne sais pas. Mais on va le faire. En tout cas, on essaiera. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave.
19x2 avec le feu. Et le frigo. C'est un critique ce con. C'est qu'il y a deux. C'est un critique à deux, on peut relativiser que c'est bon, c'est ok. C'est potable, tu peux le faire. I've got no time for mercy. Parce que moi, si j'avance plus avec, avec toi, ça va être assez compliqué. Mais du coup ils avancent ces petits bâtards. Tactique. Mais ça fait quoi? Ça fait dégâts sur tout le monde ou pas? C'est ça que je veux dire. Poète, 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 poète. Ah ouais, ça fait des gros dégâts quand même, hein. Incroyable. Bah écoute, tu vas me... Tactique, hein. Tactique de quoi? Éco-magie blanche. Je suis con. C'est pas ça que je voulais faire. Désolé. C'est cool, ok. Maintenant on danse. J'ai mis un déco de la magie blanche pour ben, finalement un PV. C'est pas mal, hein. C'était pas du tout. C'était pas du tout un peu trop. Pas du tout. Merde, elle est dans le feu. Pas dans le feu, mais c'est compliqué. I do this for all of us. Ouais, histoire qu'elle fait quelque chose quand même, au bout d'un moment. Parce que je vais entraîner aussi Béatéa pour qu'elle soit niveau 30. A little scratch won't stop me. Ah, et pareil pour toi que je vais entraîner. Oh là, j'ai tant de choses à entraîner niveau 30. Incroyable. What's my strategy? I'm awake. Mm-hmm. Ready for anything. Tout ça parce que j'ai envoyé trop de monde. Trop de monde en bas pour le dragon. Pas pour la bestiole. Il s'offre à moi, c'est incroyable. C'est pas mal. Oh non, je tue pas. Bon, tu dis vos flèches, c'est ok. Ouais, ça fait mal, hein, ouais, c'est ça. Noir, tu feras des piques noires et c'est parti. C'est ok. No time to slow down. Bouger toi? Non, tu peux pas bouger. C'est incroyable. Pas support, danse. Yes. On y est. I will not die yet. Pouette, 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 pouette. Oui, j'ai reçu 11 000 écus, ça va. Pas mal. Le rendement était pas mal. Bah, l'héroïne, forcément. Ok. Alors, du coup. Niveau 23, niveau 25. Pourquoi niveau 25, hein? Les pirates. On va combattre des pirates. Pirates.
Si on peut avoir quelques trucs à côté, genre des coffres, tout ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça va être pas mal, ce soir, ça va être pas mal. C'est encore une longue DOD, hein, désolé. Hein. En plus, il y a eu beaucoup de cartes libres. Désolé de vous faire chier, YouTube. Hein. Au pire, tu passes ce que t'aimes pas, voilà, super. Super. Carte. Tant de bandits. Si peu de coffres. Oh, ils sont bien resserrés les connards. Encore t'as un trésor, mais y a un trésor là-dessus. Nick Luffy, ouais, pareil, Nick Luffy. On va y aller avec des mages, hein. On va faire full mage avec des avec une défense de fer devant. Voilà, défense de fer devant. Enfin, défense de vent et fer. Et défense de peau de vent et de fer, ouais. Et on va tous attaquer avec les mages, quoi. C'est incroyable. Toi, t'es niveau combien, niveau 24? Ouais, c'est compliqué. Ouais, plutôt aussi. Ok, on va faire ça comme ça. Normalement, les squats devraient aller, mais bon, dans le doute. Il y avait rien à réparer, c'est ok. Ouais, comme Aksun, hein. Super. Ok. Okay. Donc je peux faire ça. Spra! Ok. Nick! An encouraging display. More fighting. Pas tuer, incroyable pour une fois. Autre critique, ouais, 16, pas de critique, c'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que Vanessa, œil d'aigle, paf, et on peut tuer tout le monde. Ça, c'est incroyable. Ah, tu vas me faire chier, toi. Vas-y, viens me faire chier, vas-y. Vas-y, viens, essaye. Nick. I'll be home again soon. I'm awake. Ouais, tu peux pas. Avec Bolganon, c'est très bien Bolganon, hein. Pas se mentir, c'est très bien. Ouais, je vais faire ça comme ça. Okay. Donc danse sur Dorothea. Paf, attaque, tour dans ta gueule. Et là, ça fait critique. Non, c'est bon. Will this ever end? Niveau 30. On peut dire une grimoire. Yes. C'est tout ce que j'espérais. Gantée d'argent dans ta gueule. 23 x 2, ça devrait suffire. Hein. Oui, ça suffit largement. Coup de pied à terre en pleine face, puis se retourner acrobatique dans ta gueule, c'est pas mal, hein. C'est pas mal le batailleur, hein.
I admire you. Ok. Alors, aïe. Mais toi aussi, aïe. C'est ok. Another victory. Zéro. Par contre, toi, pas zéro. Pas du tout. Yes. This could turn the tides. Ok. On a un petit coup après, faut se calmer. Hein. I've got no time for mercy. La capacité de tir travaillé, machin. En tous les cas, je l'aurai pas. Super. Ah, mais même là, je l'ai pas là. Ah merde. Feu. El fuego. Du coup là, machin, tir travaillé, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Splut. A little scratch won't stop me. Bon, toi c'est bon, t'es niveau 30, ok. Bonjour. Wow, petite méditation pour un PV, mon. Bon, c'est bon parce que j'ai que ça à foutre. Hein. Bah non, parce que j'ai que ça à foutre, hein, parce que sinon, non quoi. C'est chiant cette. Ce sable, hein. Mal. En disant que j'ai sonné mon PV avant, hein. Parce que j'aurais été mal, hein. B plus et B. Ah non, B plus c'est quoi? Et E en magie blanche, ah merde. Ce sera pas une grimoire du coup. Chier. Mais tu peux tuer après à partir de là, donc c'est bon. Ça devrait aller. Ah, Dalek, tu es tout seul maintenant. C'est officiel. Il n'y a qu'un spectateur. Voilà la vitesse. Incroyable. Niveau 5 déjà. Incroyable. Deck, ouais, serait bien. Still here. Bon, entre dans un peu la dette. Travailler, ça suffira pas. C'est de la merde. Critique, petit critique, petit critique. On va
fois, ouais. Ah, c'est... ah non, c'est bon, il y a Hubert. Il y a Hubert Bonnier. Non, pas Hubert, il y a Lindart. Donc c'est ok. Porte d'argent, c'est parti. Nuke! You're all going down. Super remède, ouais. Putain, il en manque tellement les PV. Et en plus avec son emblème, c'est parfait. Lindart est parfait. Et il n'y a plus que 4,5. Oh putain, c'est tellement rapide. Faut que j'arrive au truc que Nadette soit niveau sup, soit niveau 30. Faut que j'arrive à ça, sinon ça va être chiant. Juste voir combien j'esquive en vrai, en fait. La compo tu danses. Niveau 25, incroyable. M'attaquerai à combien en fait en vrai? Ah oui non, je peux pas savoir parce que je peux pas attaquer. Nick. Bah, ça sera la surprise. Souris, bah non, souris nos souris, hein. Pretty good, huh? Impressive as always. Put me in there. Non. Mais il va attaquer lui, merde. Scheiße. Juste qui avait son soutien, pas forcément de merde. Shit like a booze. Oh, je tue pas donc c'est ok. Hein. Ah, j'ai vu ça qu'ils allaient se barrer. Hein. 26 fois 2, c'est incroyable. Yes. Still here. Ah t'arriveras pas niveau 30 hein, pas tout de suite hein, c'est compliqué hein. Non, plutôt je fasse ça comme ça. Sinon c'est encore plus compliqué. Niveau 30, merde! J'en suis loin, je suis au chapitre 12, 12 plus, je sais pas exactement. Je sais pas exactement qu'il en suit. J'en suis loin, tout ce que je peux dire. Ah, fer létal! 52% le fer létal, vas-y! Bah ouais, fer létal! Plus. Bah je suis pratiquement à la fin quoi. Le trésor de Kellogg's, on le ramène à la maison. Et c'est parti. Ok. Ça va être chaud de faire des trucs. Ça va être chaud. Ou pas, je sais pas. En tout cas, je vais arrêter la VOD maintenant. Hein. La VOD, salut YouTube, hein, on se retrouve bientôt. Parce que là, ça va être... voilà.
Je sais pas ce que ça va être, mais ça va être. A plus YouTube!